Bonjour tout le monde, bienvenue sur Gameblog.fr. Cette semaine, si vous le voulez bien, je vous emmène avec moi à Punxsutawney, une ville américaine qui est surtout connue grâce à un film américain culte des années 90 avec Bill Murray. Mais avant ça, on va voir toutes les news et les sorties intéressantes de la semaine. Partons donc tous ensemble vers le futur. On commence la semaine avec les précommandes du nouveau casque de HTC qui ont débuté la semaine dernière. Le HTC Vive Cosmos, qui remplacera définitivement le HTC Vive d'origine sur le marché, est un casque similaire à l'Oculus Rift S, doté de 6 caméras de tracking intégrées. Connecté à un PC, il vous permettra de jouer aux jeux compatibles dans de meilleures conditions qu'avant grâce à ces nouveaux contrôleurs qui sont enfin dotés d'un joystick, ainsi qu'une dalle de type Full RGB réduisant l'effet de grille avec une résolution de 1700 pixels de hauteur. C'est un peu plus que le Valve Index. Le Vive Cosmos semble donc corriger les défauts de ses prédécesseurs. Il est en précommande au prix de 799 €. Sa sortie est prévue quant à elle le 3 octobre prochain. En début de semaine prochaine, vous pourrez commencer à jouer à la version anticipée de Afterash, le FPS jusqu'à présent cantonné à l'e-sport et aux salles d'arcade. Développé par le studio français SmartVR, Afterash est un jeu 100% multijoueur qui sera proposé gratuitement sur un modèle free-to-play. Compatible avec la plupart des casques PC, celui-ci va proposer 3 modes de jeu, dont les classiques match à mort solo et en équipe, 3 maps ainsi que 3 types d'armes à feu. Le studio SmartVR a également dans ses tiroirs une version PlayStation VR en cours de développement. Celle-ci devrait arriver au cours de l'année 2020. Alors que la base coopérative de l'émission est en pleine expansion, nous sommes très heureux d'apprendre que No Man's Sky devrait corriger ses défauts de graphisme en VR, avec notamment une diminution du flou et un anti-aliasing retravaillé. Les développeurs parlent d'une amélioration graphique considérable sur PlayStation VR, mais aussi sur la version PC du titre. On a tous hâte de voir ça, pas de date annoncée pour ce patch, peut-être est-il même déjà arrivé au moment de la diffusion de cette émission. Allez, on fait un petit tour rapide du côté d'un studio indépendant turc qui développe le jeu Nao The Lost Eye. Dans ce jeu d'action aventure narratif, il sera possible d'utiliser de la magie mais aussi des armes de mêlée pour se défaire des ennemis. Nao devrait arriver au cours du printemps 2020 sur PC, il sera compatible avec la plupart des casques du marché. Dans un style un peu plus bourrin, on vient d'apprendre que la quatrième mission du génial Contagion VR Outbreak est enfin terminée. Celle-ci devrait donc arriver prochainement sur PC, tandis que la version PlayStation VR du jeu est attendue pour très bientôt. Les développeurs espérant pouvoir sortir le jeu avant la fin du mois. Allez, on croise les doigts. Et enfin cette semaine, le génial Blood & Truth continue d'accueillir du nouveau contenu avec un nouveau mode de difficulté difficile, de nouveaux défis, nouveaux trophées, ainsi que la possibilité d'utiliser le Aim Controller, mais uniquement sur les défis et pas la campagne solo malheureusement. Un des meilleurs jeux VR tout support confondu continue donc son petit chemin en ajoutant de temps en temps du contenu comme promis. Cette semaine sur PC et PlayStation VR est arrivé Groundhog Day, Like Father, Like Son, la suite du film culte Un jour sans fin avec Bill Murray, le jour de la marmotte chez nos amis québécois. Incarner le fils de Phil Connors dans cette aventure de type point and click proposée au prix de 29,99€. Ne bougez pas, je vous présente ça en fin d'émission. Sorti il y a presque un an sur PC, Witching Tower a fait son arrivée sur PlayStation VR. Utilisez torche, arc ou épée pour vous frayer un chemin dans ce jeu d'aventure action parsemé d'énigmes. Attention, le prix du jeu est à ce jour erroné sur le PlayStation Store, celui-ci devrait être vendu 19,99€, mais il est actuellement vendu 33€. Sachez par ailleurs qu'une traduction française du jeu est en cours de préparation et que le jeu est entièrement jouable avec le 3D Rudder. Alors cette semaine, je vous emmène à Punxsutawney, la ville américaine dans laquelle se déroule le film Un jour sans fin, ainsi que sa suite, donc le jeu VR qui s'appelle Groundhog Day. Allez, c'est parti. Ooh.
Okay, it's just one day with the family. C'est trop bien, ils ont la licence de la chanson. Debout les campeurs et haut les cœurs, n'oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. Ah, on peut pas se téléporter partout en fait, on peut se téléporter que dans des petites zones ici et là-bas directement. Ok. Ah, c'est dur. J'ai l'impression d'être un enfant qui apprend à écrire. Waouh, comme c'est trop bien aux États-Unis, ils ont une BD caisse d'allocation familiale. C'est génial. Pour l'instant, je ne sais pas s'il y a des choses à faire ici. La radio, c'est juste un mec qui fait... Ah oui, ah oui, ok, j'ai compris. Trop balèze du premier coup. Merde. I suck at this. Seriously, Phil? You're in Punxsutawney? Eh oui, je suis à Punxsutawney. What the hell? J'ai un rendez-vous. You think I wasn't gonna notice? Look, here's the story. I have this big meeting with Streamblur in LA tomorrow. I'm in Punxsutawney to film a vlog post at my dad's thing, because the execs want to see me do something personal. Comme c'est trop bien fait. C'est super beau. I barely started breakfast. And this whole ceremony thing was Ned's idea, but... I'm actually a little excited for it, aren't you? Excited's not the first word that jumps to mind. I'm more excited for my flight out of here. Part of us, Junior, especially on Groundhog Day. Eh, don't remind me. Ugh, why did Ned have to pick the day before this town fills up? Hello? Hi, Ned. How is everything going? Did you know they recorded this in the airport bathroom? So you're just purposely trying to piss me off? Hey, Soph, what's going on with YouTube? Ça parle beaucoup, donc ça va être difficile de commenter ce qui se passe. Vas-y, fais péter le son. What's this thing he's not letting you do? Ah, c'est trop bien, c'est le personnage. C'est Ted ou Ned, Ted, je crois. Ned Ryerson? Ned Bryerson. Ah oui, c'est quand Phil il met le pied dans la flaque d'eau là, en partant en courant vers le parc à cause de lui là. Si on connaît le film, forcément c'est beaucoup plus plaisant. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à le regarder un jour sans fin. C'est vraiment un film génial, je l'ai vu plein de fois. C'est super bien, hein. Graphiquement, c'est propre. Hein. C'est net. Il y a de l'aliasing comme toujours, un petit peu au fond, mais franchement, c'est super beau. Les personnages sont hyper nets, là. C'est magnifique. Oh, Junior, this is my daughter Sarah. You remember her, don't you? Oh, come on, Dad. Dad, I gotta run. J'ai trouvé les sous-titres. Papa, je dois y aller, ravi. Et voilà. Et en plus, ils sont bien. Bien voilà, les sous-titres sont super bien implémentés, franchement. C'est une réussite, là, de les avoir fait dans des bulles comme ça, directement sur les personnages. Voilà, je fais un peu au hasard, j'imagine que ça va faire évoluer les scènes selon mes choix. Pour l'instant, j'ai vraiment pas compris le but du jeu. Est-ce que je vais revivre cette journée à l'infini? Est-ce qu'il va falloir que je trouve comment me sortir de là? Excellent. Eh bien, c'est ultra propre comme jeu, vraiment. Par contre, j'ai un gros doute sur l'intérêt d'un tel jeu pour les gens qui ne connaissent pas le film. J'ai peur que ces gens-là s'ennuient, parce que ça parle beaucoup. C'est sous-titré, heureusement, hein, on a fini par découvrir les sous-titres. Mais si on ne connaît pas le film et les personnages et les lieux qu'on visite, ça a beaucoup moins d'intérêt, je pense. Wow. What a weird memory. Okay, that's weird. Same tape as yesterday, boys. Someone's getting fired. Voilà, j'ai terminé la journée. Je vais pas vous montrer tout ce qui se passe dans la journée. C'est pas très long. Alors peut-être qu'on peut la faire durer un petit peu plus selon ce qu'on fait, j'imagine. Il y aura plus de choses. C'était sympa pour l'instant. Et maintenant, il va falloir essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour pas que la journée se déroule comme elle s'est déroulée hier. Donc je vais arrêter ici, je vais vous laisser la surprise de qu'est-ce qui se passe ensuite quand on revit les mêmes journées, les mêmes scènes une deuxième fois. Ça s'appelle donc Groundhog Day sur le PlayStation Store, ça s'appelle pas Un jour sans fin, malheureusement ils ont pas traduit le titre comme le film. C'est vendu 29,99€, il est disponible sur PC,
et PlayStation VR, malgré que ce soit un jeu édité par Sony. Voilà, c'est tout pour cette vidéo découverte de Groundhog Day. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission vers le futur. Allez, ciao tout le monde!